Alors si population capable ouais une forme ça va équipement ça y est pas besoin d'inquiéter vous c'est la police c'est vos équipements DLVV qui s'est pris gâté là pour vous mettre contre vol véhicule nous apprendre les caméras et si vous voulez comment on capable faire ça c'est ce que c'est trois mannequins qui ont campé on fait pas ou du moins une pour vous. Ok. Quand tu passes devant. Nous de 300 mais n'apprenez plus avancer. Et là, on a des commandants qui ont mis le temps pour tirer pour capable de me faire un peu de temps. Et tout l'autre équipement sous l'OA, il est parti, c'est pour être derrière, mais parce que les gilets, taxi solide, a demandé pour venir tout pour le capable. Il y a équipé de radio, de gilets tactiques, de casse tactique, et il y a appareil de fusillation. C'est un souci pour être capable d'informer la population. De ensemble uniforme PNH là. Si probablement il y a d'autres uniformes qui sont pour changer, on a fait le même geste là. Mais je dis, c'est nouveau équipement BLVV. Et n'a noté que BLVV sont entités qui sont dans la direction centrale de la police judiciaire de CNJ. Merci. Des questions maintenant? Oui, alors, on dit précision, on dit pour l'escarobas, parce que nous avons dit que l'opération n'est pas simplement dans une zone que nous avons dit, mais progressivement et selon moyens matériels et logistiques disponibles, dans notre zone, notre foyer de gang, parce que nous connaissons, nous constatons depuis quelques mois qu'il y a plusieurs foyers de gang un peu partout. Que ce soit dans la zone métropolitaine, non, également dans la ville province. Au niveau de l'Ascarobas, il y a 4 présumés bandits qui sont blessés mortellement, malheureusement, suite à échange de tirs avec la police. Et il y a un fusil d'assaut de calibre 44 qui est confisqué et un pistolet de calibre 9 mm qui saisit. Au niveau de Gounaïf, toujours dans le cadre d'opération qui était lancé Tornade 1, gagné la police qui mène l'opération, côté que gagné 120 kg de marijuana qui saisit, 2 pistolets de calibre 9 mm, 50 cartouches, et la police confisquée une bascule de couleur jaune niveau plaquant, c'est TM11943. C'est certain que question par lui, je me demande qui est l'opération dans une zone qui a des réputations, zone danger. Et n'a dit que c'est une préoccupation au niveau du commandement. Et tous les jours, presque, il y a un policier qui fait partie de l'équipe justement pour à déloger, à éclater les zones de Gambio qui a opéré pour le moment au niveau zone torselle et un peu partout qui avoisine les zones A. Et au fur et à mesure, l'opération a pétané sous l'autre foyer de Gambio. Nabdi, en total pour bilan et partiel du 1er janvier à date, gagné 153 kg de marijuana saisis, 24 armes saisies, plusieurs munitions confisquées, une dizaine de véhicules confisqués, 38 754 dollars américains saisis, 10 485 000 gourdes saisies. 16 présumés bandits blessés mortellement suite à échange de tirs avec la police, dont
12 à l'ouest, 4 au centre, et il y a 15 personnes qui sont transférées au parquet pour enlèvement et séquestration. Et pour au niveau accident de circulation, il y a 20 personnes qui malheureusement ont perdu la vie lors de l'accident de circulation. Il y a 29 blessés. En total, il y a 369 arrestations qui font chef d'accusation, trafic de drogue, détention illégale ZAM, vol à armes armées, vol sur mineur, viol sur mineur, viol, homicide, assassinat, enlèvement et séquestration. Ce n'est pas un habit sur le point, les mots campés, nous voyons des policiers accompagnés. Ce n'est pas les policiers qui l'ont pour voir son sécurité rapprochée, mais si nous présentons, il y a trois rangs là qui sont nouveau équipement BLVV. Et BLVV est tout impliqué dans plusieurs. Le 30 octobre 2022, à Déma 33, côté que nous avons perdu un jeune journaliste, c'est Romain Son, 5, pendant qu'il était venu dans le travail. Déjà, dans la première correspondance, qu'a rejoint l'entité de pression, à savoir CML, AMI, ANMH et HDH, côté que informé le premier avancé, et une deuxième correspondance qui va joindre après sanctions appliquées, et il a dit que, comme on a cherché déjà à prouver, ces correspondances essentiellement qui étaient pour rejoindre l'entité de Brest-Saharo et l'autre qui est en coopération de Brest. Au niveau habitation du cœur, nous connaissons ici dans ça qui est produit le 12 octobre 2022, côté que l'inspection générale fait recommandation pour sanctionner 7 policiers. Et pour le dossier Canaran, qui est passé le 12 novembre 2022, l'inspection générale fait recommandation pour sanctionner 5 policiers. Brigade protection des mineurs, qui sont cités au niveau des CPJ, procède à l'arrestation de Johnny François, 37 ans, ou agression sexuelle sur mineur, sur deux mineurs, d'une 11 ans et une 15 ans. Olinel Dieudonné, 32 ans, pour viol sur une grossesse, sur mineur de 14 ans. DCPJ a recherché pour viol sur mineur, Jonathan Jules, qui lui-même violé au mineur de 15 ans. Direction centrale de la police judiciaire a recherché encore pour viol sur une grossesse, Joseph Louture, qui continue donc les Joe Pétionville pour viol son mineur de 16 ans seulement. Toujours au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il s'est déjà arrêté pour implication présumée dans la mort à dernier, Roussam Telemac, qui était passé malheureusement le 13 mars 2022, Romain Selvi, qui a arrêté dans le cadre de César. Il y a un premier Aristide Tou qui a arrêté pour implication présumée dans la mort policier Wilson présumé. Ça a été passé le bon retour le 17 novembre 2022. Mais c'est deux qui ont arrêté dans le cadre de César. C'est Romain Aristide et Jean-Claude Alexandre. Kervens Jean-Simon. Wilkins, lui, arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui a été fait malheureusement sous sénateur Yvon Brisquet. Et on a mon plaisir, c'est deux, à la boule 12, ça a dépassé le 6 août 2022. Des CDG transférés, non pas aucun, Frank Shaw, pour implication présumée dans la mort, commissaire, visionnaire, directeur Académie nationale de police, Arrington Rico, ça a dépassé le 25 novembre 2022. Des CDG tout arrêté le 7 et le 9 décembre 2022, se passera Emmanuel Louis et Méladieu Faustin pour implication présumée dans la mort, assassinat président Jovenel Moïse, également pour tentative d'assassinat sous première dame républicaine Martine Moïse. DCPJ transféré. Dadi Sébastien Ignace qui continue de Babas. Patrick Dublin. Sheila Pierre, pour implication présumée dans un assassinat. Johnny Lamartinière, arrêté pour implication présumée dans un assassinat et tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration,
contre le sang, trafic d'armes et munitions, vol armé, Gendou Nelson Gentil, qui a arrêté pour implication et dans sa dépouille avec gang Rasé Barrière, Jean-Carlo Jean-Mi, Bernardo Bon, Mackinson Minos, Jameson Lui, viol armé, pour vol armé, trafic de munitions. DCPJ doit arrêter Marjorie Bruce le 17 janvier 2023, la place Saint-Anne, pour implication, il y a pour tout avec gang 5 secondes. Le 5 janvier 2022, commissariat Jacques Mel transféré dans la direction centrale pour la, de la police judiciaire, William Douillon, Edison samedi pour implication et dans vol véhicule, vol armé. Côté que plusieurs citoyens victimes de eux, et Angelo Jean-Baptiste pour vol armé, et il vient pour tout, il associe tout avec le groupe Genève. Et j'en ai dit tout à l'heure, et côté que tout yeux braqués sous opération Tornade 1 qui était lancée le 27 janvier 2023. Alors ces populations capables ouais une forme ça va équipement ça yo. Pas besoin d'inquiéter, c'est la police, c'est vos équipements DLVV qui s'est pris gâté là pour combien contre vol véhicule. Nous avons des caméras et si vous voulez, comment on peut faire ça? C'est ce que c'est trois manières au cap campé, on ne fait pas, ou du moins c'est une pour vous. Ok. Quand tu passes devant. Nous avons deux ensemble et nous avons avancé. Et là, on est à des commandants qui habitent pour virer, pour capable de maillot à l'IBMV.